Alors, est-ce que expliquer c'est excuser? Je vais poser la question d'abord aux sociologues, parce que ce sont les sociologues en général qui ont très mal réagi à cette phrase. Raphaël Liogier. Ben non, expliquer, c'est ce qu'a dit Marcel Gauchet. Expliquer, dans un premier temps, c'est la recherche des conditions de production d'un agir, d'une action. Et ensuite, ça peut être utile aussi au pouvoir public. Et ça, je trouve ça fantastique qu'un Premier ministre, effectivement, ose dire ça, parce que ça peut être. C'est faire un diagnostic, finalement. Donc, dans quel cadre, dans quel type de maladie on accepterait d'agir comme ça, en tirant n'importe où, en faisant n'importe quoi, en appliquant n'importe quel type de thérapie qui risque d'aggraver le mal? Donc, moi, je crois qu'il y a un refus, là, du diagnostic. Et ce refus du diagnostic, il est directement indexé, et on l'a entendu dans tout ce que disait Manuel Valls jusque-là, par une logique de guerre. Manuel Valls doit absolument nous dire, il a commencé, première intervention, à nous dire, c'est l'ennemi. Ensuite, on est en guerre. Moi, cette logique de guerre, cette immersion dans la logique de guerre, lui fait refuser de voir quels sont les véritables déterminants. C'est ça, je crois, un des problèmes principaux, quoi, de. Il lui fait gueuler. Oui, c'est une régression intellectuelle et c'est un anti-intellectualisme qu'on voit, qui est tout à fait lié avec une pensée axée sur l'ennemi. Et c'est une première, enfin une étape, une nouvelle étape, à mon avis, franchie dans le débat sur l'islam aujourd'hui, parce qu'on a vu déjà les précédents. On a eu la critique, l'annonce de la fin du multiculturalisme, ridiculiser la pensée bien-pensante, politiquement correcte. Il fallait faire tomber les tabous antiracistes pour pouvoir parler plus librement contre l'ennemi qui était l'islam. Donc, même se débarrasser de la culpabilité du passé colonial. On a vu des étapes comme ça et on voit que chaque fois, il y a cette manière de vouloir se libérer de toute entrave qui puisse avoir une politique axée sur l'ennemi. Au fond, je pense que c'était déjà en 2002, Oriana Fallaci qui avait écrit ce livre, La rage et l'orgueil, pour dire qu'il fallait effectivement se battre sans complexe contre l'islam. Et se battre sans complexe, ça voulait dire se débarrasser de la pensée, le champ des intellectuels de gauche. Et je pense que c'est justement aujourd'hui ce qui ouvre aussi le terrain à une pensée axée sur l'ennemi et qui donne aussi le terrain complètement à l'extrême droite néo-populiste identitaire. Gérald Bronner, vous êtes sociologue, vous aussi? Oui, non, mais évidemment, évidemment que expliquer, ce n'est pas excuser. J'introduis même mon livre sur quelques pages pour expliquer comment le fait de reconstruire l'univers mental, même d'individus qui produisent des actes qui nous indignent, à juste titre, par ailleurs, il faut bien séparer l'indignation qu'on ressent et qui est légitime, et il ne faut pas laisser cette indignation légitime anéantir nos pouvoirs, notre pouvoir analytique, si vous voulez. Et donc, en fait, rien ne nous éloigne plus, je pense, que la bonne reconstruction des idées qu'on ne partage pas, et que justement, ça nous prévient, je pense, de basculer dans ces erreurs. Et je dis qu'en plus, au moment où on est face, parce que ces événements sont traumatisants, à un déluge de commentaires, tout le monde a un peu quelque chose à dire sur ces questions, il est urgent de mettre de la science sur ces questions, de mettre toute la puissance de l'université et du CNRS pour analyser ces problèmes et trouver éventuellement des solutions opérationnelles. Donc évidemment qu'expliquer, ça n'est pas excuser. Même question au philosophe, Drieux Goffredi, excusez. Mais si vous enfin, expliquer, c'est excuser. Si vous me permettez d'être franc, je pense qu'il est parfaitement stupide de postuler que le Premier ministre de la France a voulu dire qu'il ne fallait pas essayer de comprendre pourquoi et comment des actes qui ont été, en l'occurrence, perpétrés ici au mois de novembre. Ce n'était évidemment pas la démarche de compréhension que Manuel Valls avait en vue, c'est une évidence. La démarche, me semble-t-il, qu'il avait en vue, c'est cette démarche intellectuelle, effectivement assez française, qui consiste à noyer la responsabilité de l'individu ou la recherche d'un certain nombre de causes, par exemple dans le champ de la religion, dans des causes globales de nature généralement sociale ou géopolitique. Et de ce point de vue-là, effectivement, moi personnellement, je lui donne raison, de ce point de vue-là, par rapport à ces causes un peu foireuses, pour prendre un terme général, sociales, géopolitiques, de ce point de vue-là, expliquer revient en réalité à justifier, en tout cas à résorber la responsabilité de l'individu ou de cette organisation dans des causes générales qui en somme ne veulent rien dire. Michael Fossel. Oui, si je comprends bien ce qui vient d'être dit, les actes terroristes surgiraient de nulle part, ex nihilo, depuis des individus.
les causes qu'on a déjà explorées et qui visiblement n'expliquent rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cause. Les causes, le problème, évidemment, on entend dans le mot excuser la recherche des causes. Mais la recherche des causes, c'est le préalable, je dirais, de toute démarche scientifique. Donc on ne peut pas considérer que ces individus se réveillent un beau matin depuis nulle part pour commettre ce genre d'acte. On reviendra dans le détail après. Je vous laisserai vous exprimer sur tout ce sujet. Cette culture de l'excuse dont on nous parle beaucoup, elle a au moins le mérite, si vous voulez, d'être une culture, c'est-à-dire d'être fondée sur un savoir. Parce que moi, ce qui me paraît extrêmement troublant dans ce que dit le Premier ministre, c'est qu'à la fois, on est quand même sommé de juger, mais sans savoir, visiblement. C'est-à-dire qu'on a une espèce de mélange d'ignorance et de jugement, de condamnation, qui mène en fait au préjugé. C'est-à-dire à l'idée selon laquelle, effectivement, il y aurait des actes libres, absolument libres, qui ne seraient déterminés par aucun aspect sociologique. Et ce qui est évidemment difficile de penser, c'est à la fois de penser le fait qu'il y a des déterminismes sociaux. Je pense qu'on peut attendre d'un homme politique comme d'un chercheur de le reconnaître. Et qu'en même temps, il y a, à la fin des fins, effectivement, un choix. Il est bien évident que les individus qui se sont livrés à ces actes ont des vies qui sont comparables à d'autres vies ou des milieux sociaux qui sont comparables à d'autres milieux sociaux. Ça ne veut pas dire identiques, d'ailleurs. Et qu'à la fin des fins, ils se sont décidés à produire une action terrible. Bon. Mais cela étant, considéré que toute tentative d'explication est une tentative d'excuse, et c'est quand même cela qu'a dit le Premier ministre, autant qu'on puisse comprendre son discours, eh bien, cela semble quand même être un déni, d'autant plus venant de quelqu'un qui, il y a encore quelques mois, je crois, appelait les intellectuels à reprendre la parole, et on peut se demander quel type d'intellectuel peut avoir la parole dès lors qu'il n'est pas dans une démarche analytique, explicative, ce qui n'engage pas, évidemment, l'excuse au sens, je dirais, moral du terme. Et là, on a quand même une confusion très forte entre la recherche et la morale. Zora Bitton ? En fait, il faut revenir à ce qu'a dit Manuel Valls tout de suite après les attentats de janvier, quand il a parlé d'apartheid social, territorial et ethnique. On voit bien que là, il était dans une démarche d'explication et de compréhension. Aujourd'hui, dans sa phrase, il n'a pas dit du tout... en filigrane, qu'il ne fallait pas essayer de comprendre. Mais à l'aune de ce que dit Manuel Valls et du Parti Socialiste, je pense qu'il y a aussi, du point de vue politique, d'effacer l'ardoise d'une gauche qui a toujours été dans la justification sociale et la culture de l'excuse. Et c'est plutôt un message politique, ce n'est pas un message de fond, et ce n'est pas un message de... ce n'est pas un message intellectuel de « il ne faut pas comprendre ». Mais la gauche souffre d'avoir été aux premières loges, d'avoir été celle qui était bienfaitrice, celle qui était au chevet des banlieues, celle qui, pour l'immigration, était à l'avant-garde de toutes les bonnes actions, et notamment la politique de la ville. Et aujourd'hui, Manuel Valls, par des raccourcis parfois un peu catastrophiques, parce que, évidemment, le monde intellectuel s'indigne, et ils ont raison, prend des raccourcis. Mais si on lit ce qu'il veut dire, bien sûr qu'il faut comprendre. Il l'a dit lui-même, apartheid social, territorial, ethnique. Ça veut bien dire qu'à un moment, il faut le faire. Mais ça n'excuse rien, ni les actes terroristes, ni les actes antisémites qui continuent de perdurer. Donc je crois que le Parti Socialiste, et en particulier la gauche, a un problème avec les banlieues, voit aujourd'hui surgir l'échec d'une intégration, même si les terroristes ne sont pas toujours des cas désespérés et des enfants en situation de détresse parce qu'ils ont un travail, intellectuellement, ils ont des diplômes, etc. Mais quand bien même, à tous les niveaux et à toutes les strates de montée en puissance d'une haine et d'un djihadisme pacifique ou qui passe à l'acte, la gauche a besoin d'effacer une ardoise. Et pour effacer cette ardoise, elle prend le raccourci le pire, c'est les mots. Et en réalité, ce qu'elle devrait prendre, c'est plutôt les actes. Et donc Manuel Valls se trompe à chaque fois en étant, on va dire, un peu cinglant et en bousculant un peu le landerneau intellectuel, tout le monde confondu. Et du coup, mais je ne pense pas que Manuel Valls excuse et demande à ce qu'on n'essaye pas de comprendre. Philippe Bilger. Si j'ai bien compris, il dit... expliquer, c'est un peu excuser. Voilà. Et il me semble d'abord que lorsque le Premier ministre formule cette phrase, ça veut dire que parfois, on peut avoir l'impression que l'explication vient trop vite. Et que d'abord, il faut poser le refus absolu de la mort d'autrui. Et c'est ce que je devine implicitement. Pourquoi ? C'est qu'il est clair, pour moi en tout cas, que parfois... certains n'ont pas le courage d'assumer l'excuse et se servent de l'explication pour la masquer, en réalité. Et il me semble que le Premier ministre évoque cette perversion.
Troisième élément, il me semble tout de même que si le terrorisme ne naît pas, bien sûr, de rien, il peut surgir de soi-même. Et que les sociologues, les philosophes, les scientifiques dont vous parliez peuvent noyer dans un océan de considérations générales l'intolérable surgissement de la malfaisance personnelle. Et en ce sens-là, j'approuve assez Manuel Valls, si je l'ai bien saisi, encore une fois. Et puis, pardon, je ne veux pas mettre en cause votre savoir, vous avez parlé de la science. Mais quelle présomption, absolument, tout de même. Absolument. Parce que vous êtes plusieurs, je pense que vous formulez un certain nombre d'explications, mais je ne veux pas vous offenser, je ne les présenterai pas comme des certitudes ou alors peut-être des banalités intelligentes que nous pourrions tous développer, mais qui n'infirment pas la pensée de Manuel Valls. Thierry Lévy, est-ce que expliquer, c'est excuser ? Non, mais je n'avais pas entendu Manuel Valls dire ce que je savais par la presse, et là, je l'ai trouvé tellement mauvais que j'ai eu envie de l'expliquer, c'est-à-dire de l'excuser. Mais je crois que le malheureux confond deux notions, la faute et le danger. Et là, il s'est placé dans la position prématurée de celui qui aurait à juger la faute des terroristes. Nous n'en sommes pas là. La position du chef du gouvernement doit être exprimée à l'égard du danger. Et comme le disait Marcel Gauchet, combattre le danger, et en l'occurrence pour Valls, l'ennemi, dans une guerre, et ne pas l'expliquer, c'est vouer le combat à l'échec. Car ne pas comprendre l'ennemi, c'est se mettre à sa merci. Donc ce pauvre Valls n'est pas facile à défendre. Alors, il dit aussi, Manuel Valls, pas seulement dans cette phrase, mais dans les autres qu'on a pu réentendre il y a un instant, que les explications culturelles, c'est-à-dire sur les origines des terroristes, sur la religion des terroristes, ou les explications sociologiques, c'est-à-dire le chômage, le manque d'argent, l'enfance malheureuse, n'expliquent pas pourquoi un jour, quelqu'un peut se mettre à tirer sur ses concitoyens. Et en ce sens, est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Gérald Bronner ? Ah voilà, on avance dans le débat. Après, j'ai bien précisé ma position, je dirais que j'invite mes collègues à faire preuve d'explication et éventuellement de compréhension par rapport à la phrase de Manuel Valls. Parce qu'évidemment, soit on l'interprète de façon caricaturale, comme on l'a fait au départ, mais c'est vrai que c'est de sa faute. Sa déclaration, à mon avis, est outrancière, indéniablement. Et ensuite, si par charité, comme pour me référer au philosophe Donald Davidson, si on fait preuve de charité interprétative, on voit bien ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est qu'en effet, il y a des modèles explicatifs qui sont fondés sur la détermination sociale. On a déjà entendu parler de ce mot. Et dans une certaine mesure, cette détermination sociale exonère l'individu de sa responsabilité. Prenons maintenant le même débat, par exemple, dans le domaine de la psychiatrie. Tout le monde sait bien qu'un individu qui agit par une psychose ne peut pas être tenu ni moralement ni juridiquement responsable de ses actes. Quelle est la différence entre une explication de ce genre et une explication qui fait des individus les automates en quelque sorte des structures sociales et qui aboutissent à la conclusion qu'ils seraient déterminés dans leur parcours par exemple terroriste, conclusion qui, je le rappelle, n'est pas du tout descriptive des vraies données qu'on a, et c'est pour ça que je pense qu'il faut mettre de la science, et je maintiens que les sciences sociales sont des sciences, précisément pour ne pas laisser des explications trop rapides et éventuellement idéologiques prendre le pas. Je crois que c'est ça, si je fais beaucoup preuve d'interprétation justement, qu'a voulu dire Manuel Valls. Oui, Raphaël Lefier. Moi, je pense qu'il y a une dimension qui n'a pas été soulignée et qui me semble être la dimension essentielle dans le discours de Manuel Valls. Je crois que c'est un prétexte. Ce que fait Manuel Valls lorsqu'il parle d'explications et d'excuses, c'est qu'il veut empêcher les sociologues qui étaient sur le point, et moi j'avais un certain nombre de travaux que j'avais développés, que j'avais explicités dans les médias, qui étaient sur le point de montrer à quel point la politique qui était mise en place était inepte et n'avait aucune efficacité en réalité compte tenu de la réalité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas une recherche d'explication. La sociologie, elle commence par quelque chose de très très simple, vraiment de banal, c'est-à-dire la recherche de régularité. Et lorsqu'on regarde
les djihadistes, depuis Mohamed Merah, qui ont commis des attentats, je dis bien ceux qui ont commis des attentats sur le sol français, on remarque qu'il y a une régularité. Cette régularité, un, c'est que ce sont tous des individus qui sont dans, en quelque sorte des caïds ratés. Mohamed Merah, voulant rentrer, devenir légionnaire, il n'y arrive pas. Eux, le rapport à la drogue, caïd de la drogue pour le 13 novembre, ou même caïd plus ou moins dans la pornographie, les frères Kouachi, on a vu qu'il y avait eu des choses de ce type, qui n'ont absolument rien à voir à la base, en termes d'objets, avec l'islam. Ce qui les distingue, très clairement des djihadistes type Al-Qaïda des années 90-2000, etc. Et un autre point commun, et alors là, pas du tout agréable à entendre pour Manuel Valls, c'est qu'aucun d'entre eux, aucun, absolument aucun, c'est extrêmement rare sociologiquement de trouver une régularité pareille, aucun d'entre eux, avant de décider de devenir djihadiste, parce qu'après ils prennent la posture, n'est passé par une intensification progressive de sa pratique religieuse, donc le rapport à la mosquée. Voilà. Aucun d'entre eux n'est passé par une formation théologique de fond. Donc, laissez-moi finir, après on regardera dans le détail si vous voulez. Et du coup, lorsque Manuel Valls nous dit on va faire quelque chose dans une logique de guerre de civilisation, dans une logique de l'islam contre la France, contre notre culture, et c'est ça qu'il trouve. C'est pas ce qu'il dit, puisqu'il réfute les explications culturelles. Il réfute les explications culturelles, mais ensuite il explique qu'on glisse forcément du fondamentalisme, une forme de littéralisme, et puis ensuite à l'action terroriste. Ce qui montre, en réalité, ce que montrent les études sociologiques qu'on a aujourd'hui, c'est que d'un côté, il y a une sorte de fondamentalisme quasi amiche, depuis le début des années 2000, qui se focalise sur les mœurs, et qui est en fait antiterroriste, et d'un autre côté, des sortes de nouveaux des voyous, moi que j'appelais les nouveaux ninjas de l'islam, qu'on voit apparaître avec des groupes connus, Forzani Alidza, des gens qui s'habillent différemment d'ailleurs des fondamentalistes qui, eux, veulent ressembler à des bédouins du VIe siècle avec des tuniques, etc. Alors que les autres s'habillent dans un style, moi, que j'appelle néo-afghan, plus kaki. Donc là, les études sociologiques, en dehors des explications culturelles, permettraient un meilleur repérage, mais un repérage spécifique. Sauf qu'on est obligé d'abandonner la logique de l'ennemi fondamental. On est obligé d'abandonner des mesures, on va fermer les mosquées ou on va enlever la nationalité à un certain nombre de gens parce que finalement ça serait des faux citoyens. On va interdire l'arabe, par exemple, dans certaines mosquées, alors qu'on découvre que ces gens-là, à part celui qui était syrien, n'ont aucun accès à l'arabe classique. Donc vous voyez, le seul fait de dire ça, on peut le critiquer, ce que je dis là. Non, mais on peut le critiquer. Si on peut parler, en fait. Non, mais la seule chose, c'est que le seul fait de dire ça, ça entraîne la rage d'un pouvoir qui veut prétendre qu'il va nous sauver. Vous êtes la caricature vivante de la sociologie française. Vous savez que les auteurs des attentats du 13 novembre ne sont pas encore tous identifiés, monsieur. Et vous parlez de régularité. Comment pouvez-vous faire la régularité alors qu'on ne connaît pas encore le profil de tous les gens qui sont là? Mais bien sûr que non. Chacun son tour. Vous la connaissez-vous? Oui, mais ceux que nous connaissons, il y a un travail sur leur biographie. Vous les connaissez, Marc. Il y a un habitant. Non, mais la première caricature, c'est de dire que Manuel Valls veut faire taire les sociologues. C'est une première caricature. Manuel Valls, c'est le Premier ministre, c'est pas un sociologue et c'est pas son rôle. D'abord, les explications sociologiques, chacun a les siennes. Il y en a qui sont pas sociologues et qui ont de très bonnes explications. Ça, faut le savoir. Vous, par exemple, n'avez pas encore leur profil et vous faites des régularités. C'est un préjugé, par exemple. On fait des régularités justement avec ce qu'on connaît, les profils qu'on connaît. Il faut le savoir. Il suffit. C'est pas une régularité. Laissez terminer, Zorabitant. On fait des régularités sur les femmes, on ne connaît pas toutes les femmes qui existent en France. C'est ridicule ce que vous dites, c'est ridicule. Non, mais on ne peut pas faire l'impasse sur un certain nombre de problématiques qui sont de l'ordre de la responsabilité individuelle des gens et de la responsabilité politique. Oui, ça n'a rien à voir. Non, mais attendez, vous avez vos explications sociologiques, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai des explications de mon expérience et de mon parcours. J'ai le droit de les exprimer, donc vous me laissez terminer. Il y a des explications politiques, je veux dire, un échec de l'intégration réelle qui existe, une haine de la France, c'est pas l'islam qui se radicalise, c'est une radicalisation de l'islam. Ils commencent par être des voyous et à la fin, ils trouvent une cause à un certain nombre de problèmes qu'ils ont. C'est pas une généralité. Donc, il faut donner... Manuel Valls est un homme politique. Il est là pour, justement, alerter sur un danger qui est réel, puisqu'il y a eu des morts. Mais il est là aussi pour
permettre que l'action se mette en route sur des problèmes qu'on cible. La responsabilité individuelle des gens de milieux sociaux pauvres, elle doit être prise en considération. Le bien et le mal, ce n'est pas quelque chose qui est l'exclusivité de gens qui sont de milieux privilégiés. Dans les milieux pauvres, on doit savoir ce que c'est le bien et le mal. Donc tout ça, ça s'explique aussi par l'action politique. Je vois pas du tout le rapport. Non, moi, ce que je lui reproche, c'est de ne pas cibler, justement. Mais moi aussi, je pourrais vous renvoyer. Moi, j'aimerais qu'il cible. Pas le rapport. Non, mais quel rapport avec ce que j'ai dit? Mais vous faites des calculs. Mais il n'y a pas que vous. Attendez, je vous interromps parce que Michael Fossol avait envie d'intervenir aussi. Qui a été avancée, c'est la question du bien et du mal. Effectivement, on peut tout à fait dire qu'il y a un mystère du mal, c'est-à-dire qu'à la fin des fins, nous manquons d'explications pour des actes qui sont particulièrement irrationnels ou qu'on peut juger comme tels. Bon, mais cela étant. Si l'on en reste alors au refus ou en tout cas la relativisation même, disons, des explications, pas seulement sociologiques, hein, parce qu'il aurait pu citer les explications psychologiques, qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Au fond, à condamner et puis à nous retrouver pour condamner mais de manière tout à fait œcuménique. Oui, mais pour agir, madame, il faut tout de même avoir un certain nombre d'éléments relativement à ce Mais vous savez que la question de l'intégration et des banlieues et des populations qui se sentent exclues dans les ghettos, c'est une question qui est traitée depuis plus de 30 ans. Des sociologues, tout le monde en a lu. Et tous ceux qui sont des travailleurs de terrain et tous ceux qui sont dans la partie, on en a lu et on en connaît. Donc, on sait plus très besoin bien. De lire. Non, arrêter. Mais justement, il se passe ça aujourd'hui. Il y a une explication qui date de longtemps et qu'il faut évidemment mettre en lumière et qu'il faut évidemment prendre en compte. Il ne s'agit pas de faire table rase et de se dire on condamne et point barre. Hors de question, je travaille dans les quartiers et il est hors de question de punir tout le monde. Ce n'est pas mon propos. Mais ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, Valls, certes, et je le dis et je l'assume, prend des raccourcis qui sont explosifs et ce n'est pas très bon. Mais néanmoins, on peut chacun comprendre. Mais cela dit, il y a un moment donné, il faut passer à l'action. C'est-à-dire qu'il faut non seulement éradiquer ce mal en répondant par la punition, mais surtout éviter la contagion. Parce que là où peut-être je rejoins monsieur, c'est cette histoire de passer de caïd à terroriste. Et ça, c'est une réalité. Il ne passe pas forcément ni par l'islam, ni par les mosquées. Et donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Comment des gosses qui sont nés français peuvent vouer une haine aussi importante à l'égard de la société et jusqu'à aller tuer leurs compatriotes? Alors, on parlera tout à l'heure des radicalisations, si vous le voulez. Je vous redonne la parole tout de suite, Michael Fossol. Mais restons sur cette question, justement, puisqu'on en est à se demander pourquoi des gosses, comme vous dites, se mettent à tirer sur leurs concitoyens. Là encore, je vous repose la question. Est-ce que les explications sociologiques ou les explications culturelles peuvent suffire à l'expliquer? Non. Bien sûr. Les explications sociologiques, par définition, sont des explications qui ne sont pas individualisées, si vous voulez. Elles sont des explications. Justement, je voudrais dire un mot là-dessus. Ce sont des explications terribles, là, depuis le début. Oui, voilà. L'explication sociologique, elle traite de groupe, elle ne traite pas d'individu. Arrêtons de faire croire que la sociologie, c'est expliquer les faits sociaux par des déterminismes sociaux extérieurs aux individus. C'est pas vrai. Il y a une tradition qui est très puissante intellectuellement. On n'y adhère pas, mais on ne peut pas faire croire qu'elle n'existe pas. Et en l'occurrence, ce qui m'intéressait dans ce que vous disiez tout à l'heure, M. Fossel, c'est que précisément, dire que faire si on n'a pas le droit d'expliquer les phénomènes par des causes extérieures? Il y a quand même une autre possibilité, c'est de reconstruire l'univers mental de ces individus. Vous voyez bien à quelle sensibilité je fais référence. De ne pas considérer que ces actes sont forcément... pas considérer que ces actes sont forcément irrationnels, mais qu'ils ont leur subjectivité rationnelle, ce qui ne veut pas dire qu'on leur donne raison. Dire qu'un individu a des raisons d'agir, ce n'est pas du tout lui donner raison. Et vous voyez que vous pouvez tout à fait réconcilier l'indignation que vous pouvez ressentir en tant que citoyen et la volonté en même temps d'éclairer le sens de son acte. C'est pas moi qu'il faut convaincre. Si vous dites qu'il vaut mieux comprendre qu'expliquer, vous, et je serais assez proche de cette position, mais alors là, on voit bien que ça rentre en contradiction beaucoup plus forte. Mais alors, quand vous dites, Gérald Bonner, qu'un individu peut avoir des raisons d'agir, c'est pas pour autant lui donner raison, vous voyez bien que vous allez choquer considérablement des gens. À savoir qu'un terroriste puisse avoir des raisons d'agir, prends ce risque parce que je suis assez à l'aise théoriquement avec ça. J'accepte de prendre ce risque. Après m'être beaucoup expliqué sur ce point, ça me pose pas de problème. Mais je tiens à dire que vous aviez tout à fait raison, M. Logier, en disant que la science cherche des régularités, mais il y a d'autres façons de trouver des régularités qu'en les assimilant à des déterminismes extérieurs. Bien sûr. Voilà. On est bien d'accord. C'est ce que je voulais dire, d'ailleurs. Oui, mais les études sociologiques, il ne faut pas réduire ça à la définition des conditions sociales et qui peuvent expliquer complètement les inégalités, etc. C'est une
idée de la sociologie très, très superficielle, très réductionniste. Ouais. Aujourd'hui, tous les travaux qui ont été faits, surtout en France, sur la question des djihadistes, mais aussi sur la question des banlieues, les musulmans dans les écoles, il ne s'agit pas juste de parler des déterminismes sociaux, il s'agit de comprendre leur itinéraire, leur trajectoire, exactement, leur intentionnalité, leur univers mental, leur domaine et leur rapport aussi à la France. Donc, je pense qu'on est là dans une position très manichéenne de par rapport à la... Vous avez entendu beaucoup de sociologues utiliser des métaphores récemment. Ils ne sont pas là, je ne vais pas les mentionner, à base de, comment dirais-je, de champs, comme des champs électromagnétiques, de structures, même de gravitation, j'ai vu cette métaphore, qui sont autant de métaphores qui sont empruntées à la physique, un peu naïvement d'ailleurs, comme si des forces s'exerçaient véritablement comme ça. Et à partir de là, on aboutit en effet à la problématique dont on parle ce soir, et qu'il faut pas négliger, dont il ne faut pas négliger la profondeur. On ne divise pas complètement la responsabilité individuelle des conditions sociales, donc on essaye de comprendre les deux. Bien évidemment, c'est complexe le rapport entre l'individu et le social. Mais je pense que c'est ça les sciences sociales. Et quand vous dites on ne veut pas faire justement l'amalgame entre les gens de banlieue et les djihadistes, mais aujourd'hui on est en train de faire. Je veux dire, après le 7 janvier, surtout après le rassemblement, ça c'était très important. Il y avait cette sensibilité dans la société française de ne pas réduire la question de l'islam au djihadisme. Aujourd'hui, on focalise tellement sur la question de djihadisme, on oublie complètement ce que j'appelle les musulmans ordinaires, entre guillemets, parce qu'ils n'ont rien d'ordinaire, ils sont dans la vie quotidienne, ils sont dans les banlieues, dans les écoles. Il n'y a pas que l'échec de l'intégration, il y en a beaucoup aujourd'hui qui créent des classes moyennes. On peut choisir... peut-être ça aussi qui déclenche. Mais on peut choisir la façon dont on traite les questions, c'est-à-dire que soit on veut protéger la majorité qui n'a absolument rien à voir avec ces faits et qui a une intégration parfaitement réussie, quelle que soit sa confession, et on ne parle pas de la minorité. Et moi, je choisis de préférer... parler de cette minorité de manière à protéger la majorité. Je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse. Et aujourd'hui, la question, elle est éminemment politique, parce que la question du logement, la question sociale, la question économique, la question de la responsabilité des parents, la question de la refonte de la politique de la ville, des actes politiques doivent aussi venir répondre à la peur des Français. Et à l'urgence, c'est-à-dire la situation des Français qui aujourd'hui vivaient paisiblement et qui d'un seul coup s'aperçoivent que tous ces djihadistes ont étonnant, c'est qu'on n'a pas parlé du tout, depuis le début, d'un contexte dans lequel la France est en guerre. Je vous écoute et je suis assez stupéfait parce qu'on ne parle pas du tout de ce terrorisme islamiste qui jette en France un effroi compréhensible. Et c'est un phénomène nouveau pour nous. Mais le terrorisme islamiste existe depuis longtemps. Il n'est pas apparu l'année dernière. Le terrorisme islamiste existe depuis très longtemps, et notamment au Moyen-Orient. Et il a une explication. Et les terroristes ont des raisons d'agir. On le sait bien. D'accord. Alors moi, j'étais en train de vous dire... Non, mais quand on parle d'explication, il faut quand même s'intéresser aux raisons. Les raisons d'agir de ces terroristes au Moyen-Orient depuis des années. On sait très bien. On va revenir à l'origine des frères musulmans et à l'action menée par eux en Égypte contre les gouvernements qui avaient renversé la monarchie. Tout ça, on le sait. On sait bien que ce terrorisme a des racines très anciennes. Il faut se demander en France pourquoi la greffe a pris avec des gens qui n'avaient que peu de relations avec le Moyen-Orient et peu de relations avec l'islam. Voilà la question à aborder. Pourquoi, tout à coup, ces jeunes gens, ces enfants même, ce gamin de 15 ans qui n'a aucune formation d'aucune sorte qui subit la violence venue de loin et qui l'intègre, qui la reprend à son compte parce qu'il vit en France
d'une certaine manière. Mais c'est... Alors dire nous sommes dans un pays paisible. Attendez, mais vous m'avez même pas laissé non, finir. C'est paisible. Non, mais attendez, vous m'avez. Alors on vous laisse finir maintenant. Voilà. Aujourd'hui, les Français, cette peur qu'ils ont, parce que ils ont la lecture qu'ils ont, c'est la lecture des morts, la lecture de la barbarie qui est arrivée chez eux. On peut la comprendre. Puis on peut pas non plus là de aussi. On peut la comprendre. Bien sûr. Donc aujourd'hui, parler pour protéger cette majorité de musulmans français ou de français musulmans qui ont absolument aucun problème ni avec la France, ni avec leur identité, ni avec leur religion, il faut bien les protéger de cette stigmatisation qu'ils subissent parce que la question n'est pas traitée de cette minorité. Donc c'est ça. Et maintenant, les Français sont effrayés et il y a de quoi. Parce que vous venez de vous le dire vous-même, ça vient de l'extérieur et ça vient chez nous, ça vient jusqu'à des gosses de 15 ans. Non, mais ça vient chez nous. La lucarne, oui, mais ça vient c'est pas le chez bocal, nous par hasard. C'est Internet. Ça c'est vient pas... chez nous parce que nous agissons au Moyen-Orient. Nous bombardons au Moyen-Orient. Il ne faut tout de même pas oublier l'essentiel. Nous lançons des bombes qui tuent des civils au Moyen-Orient. Je ne crois pas. Tout à l'heure, j'ai eu un moment d'espoir. J'avais l'impression qu'après des antagonismes initiaux, on arrivait peu à peu vers une sorte de dénominateur commun. La sociologie à sa place et les motivations personnelles, les délires... subjectifs à leur place, et puis je vois qu'on est reparti sur l'international. Non, je voudrais dire que, au fond, lorsque vous parliez des régularités, ce qui me gênait, je ne les discute pas, vous êtes beaucoup plus compétent que moi pour les relever, mais elles ne me semblent pas résoudre l'ensemble du problème humain et sociologique que posent ces transgressions paroxystiques, objectivement. C'est donc que vous nous donnez un tableau, une configuration au sein desquelles demeure le mystère du passage à l'acte, qu'il soit terroriste ou criminel ordinaire. Donc c'est peut-être là où nous nous distinguons. Et j'irais jusqu'à dire que même si on prétend qu'il y a une rationalité du délire, on bute toujours, me semble-t-il, pour les terroristes comme pour d'autres, sur un mystère initial qu'on ne parviendra pas à résoudre. Et c'est en ce sens-là que je me suis permis de discuter les savoirs et les sciences, parce qu'au fond, nous pourrions discuter durant des heures. J'ai lu beaucoup d'articles depuis la catastrophe du 13 novembre, j'ai vu beaucoup d'avis, mais je ne peux pas en tirer une synthèse définitive et concluante, si vous voulez. Vous disiez, pardon, je suis un peu long, je m'excuse, Michael Fossel, vous disiez tout à l'heure, mais au fond, si on ne cherche pas à comprendre, on n'a plus rien à faire. Si on peut au moins exiger que ceux qui nous offrent des grilles d'analyse qu'ils estiment irréfutables aient la modestie de les considérer comme ductiles, perfectibles, éventuellement... ça n'existe pas en français, je crois, confrontable à d'autres. Je crois qu'ils le font, il n'y a pas de dogmatisme scientifique. Pourquoi dis-tu que le terrorisme est irrationnel? Pourquoi dis-tu cela alors que l'histoire nous montre que tous les terrorismes avaient une rationalité, à commencer par la terreur. La terreur en France était on ne peut plus rationnel. Oui, mais n'empêche, comme vous parliez tout à l'heure du jeune homme de 15 ans, d'abord, je doute réellement du lien de cause à effet entre la terreur internationale et son acte. Mmh. Et puis ensuite, j'aimerais plutôt savoir ce qui, dans cet être-là, à 15 ans, tout à coup, a fait pousser le venin. Vous ne parlez pas de la même chose. Et là, vous ne nous donnez pas l'explication en disant que la France commet des atrocités à l'extérieur. Mais non, ce qui est faux. Je n'ai pas proposé d'explication. J'ai dit qu'on ne pouvait pas éliminer ce contexte. Ah, mais il existe. Alors, Raphaël Léger et Drieu Godfrey. Parce qu'au fond, moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. C'est-à-dire, mais je n'avais pas la prétention, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, d'élucider le mystère du passage à l'acte. Ce que j'essayais de dire, c'est qu'on peut repérer un certain nombre de régularités, ne serait-ce que, par exemple, des régularités vestimentaires. C'est ce que je vous montrais, entre des fondamentalistes qui, eux, ne sont pas du tout dans une logique terroriste, parce qu'on l'observe, on le voit, mais que cette régularité-là, elle ne soit pas utile pour le gouvernement, qui va, par exemple, je donne juste un exemple, qui va aller perquisitionner la mosquée de l'imam Abu Daifa, dont nous avons étudié les centaines de vidéos, et qui est non seulement antiterroriste, mais qui est dans le collimateur de Daesh,
qui le discrédite parce qu'il opère sur le même marché, mais il dépolitise les jeunes, donc il dépolitise aussi de l'action terroriste. Et ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que par ailleurs, il y a un certain nombre de choses qui sont très critiquables chez lui, mais ça montre qu'il y a deux phénomènes. Moi, je me dis, pourquoi est-ce que le gouvernement se refuse à utiliser juste ces informations, qui sont des informations finalement assez simples, parce que ça permettrait de faire un meilleur repérage, et même pour la sécurité des Français. Ben pourquoi? Parce qu'on est dans une sorte de fantasme de la guerre de civilisation, et que l'idée aujourd'hui, quand on dit « on ne lâche rien, on va faire quelque chose de dur, on va faire quelque chose de fort », on le fait, mais sans cibler. C'est mais ça, moi, que je reproche. C'est là où votre discours me gêne un peu. Autant je le trouve et très intelligent, en tout cas, très passionnant à écouter quand vous vous contentez d'être sociologue, ce qui est déjà beaucoup. Vous me gênez quand vous tombez dans l'idéologie, carrément. C'est-à-dire qu'on sent... Non, mais on sent très clairement que votre analyse... elle est destinée à vitupérer une politique qui, pour une fois, cherche à être efficace contre le terrorisme. Oui, mais est-ce que je me trompe ? Elle cherche à être efficace, mais en étant littéralement immergée dans un certain nombre de ce que, ben, pour parler comme les sociologues, ce que les sociologues appellent les prénotions sur le monde social. Parce que quelle est la différence entre la physique et la sociologie ? En physique, il y a seulement les physiciens, en gros, qui ont quelque chose à dire. Du coup, ça ne gêne personne, puisque c'est un objet extérieur. En sociologie... tout le monde a ses petites notions, puisque par définition, on est membre de la société. Absolument. Et c'est ça qui pose problème, enfin, d'ailleurs. En physique, on est réellement voilà. Non, mais je veux dire... mais, du coup, en gros, pour vous, Manuel Valls, il tape dans le tas, il ne cherche pas à comprendre. Ben, voilà. j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, il tape dans le tas, et que ce qui justifie le fait qu'il tape dans le tas, c'est quand même une certaine logique de défense, comme si on était encerclé par des ennemis fondamentaux. On le voit dans le discours, si on fait une analyse de contenu de base. Mais est-ce que c'est faux? Justement, ce que montre le nouveau phénomène du djihadisme, c'est qu'effectivement, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement de structure depuis le début des années 2000, où vous avez d'un côté ces gens qui sont un peu comme des amis, et de l'autre côté, des djihadistes qui sont issus de milieux voyous, pour lesquels le djihadisme devient désirable... parce que l'islam a une image antisociale. On peut presque dire que dans les années 60-70, il serait peut-être devenu punk ou d'extrême-gauche. Parce que ce qui comptait, c'était... pas l'objet islam, c'est le fait que ce soit antisocial. Donc il vaudrait mieux essayer de dégonfler cette idée de guerre de civilisation islam antisocial pour finalement inhiber ce type de désir, à la limite. La religion leur donne bonne confiance pour tuer. Exactement. Je trouve que le Premier ministre Valls a un mérite, en tout cas, et qui est de poser une question qui semble finalement assez taboue dans le monde intellectuel français, et qui est la question de l'islam. Je veux simplement rappeler cette évidence, ce truisme, que 100% des terroristes islamistes se revendiquent de l'islam. Et dans toutes ces causes que l'on entend dans la sociologie ou dans le monde intellectuel français, on examine finalement assez peu la doctrine islamique, mais comme contenu. On se contente de la désigner comme religion, et donc on considère que c'est un facteur, ma foi, c'est une religion parmi d'autres. On examine trop peu, me semble-t-il, à mon humble avis, la doctrine islamique dans son contenu et son rapport, effectivement, à la violence. Et de cette ignorance, tout le monde fait finalement... ça dans les sites d'extrême droite. Et de cette ignorance... ça y est. Partout, tout le monde fait ça. Non, mais ça y est, laissez Et de cette ignorance... Michel Onfray l'a fait, exactement. Laissez terminer l'ignorance qu'on peut appeler d'extrême droite. Et de cette ignorance naissent, finalement, les caricatures qui résument finalement, qui réduisent l'islam à la violence, ce qui est faux. Et donc, s'il y a une démarche authentiquement cognitive de l'islam, on pourra dépasser ces caricatures, mais en même temps, reconnaître qu'il peut y avoir, dans certains cas, comme le disent ces terroristes, un rapport, une inspiration qu'ils trouvent réellement et effectivement dans le corpus doctrinal de l'islam. Je voudrais juste vous poser une question. Est-ce qu'on agit de la même manière, et c'est une question que vous soulevez dans votre livre, Gérald Bronner, est-ce qu'on agit de la même manière quand il s'agit d'expliquer des comportements qui nous semblent à nous héroïques? Par exemple, Jean Moulin. Pourquoi est-ce que Jean Moulin devient résistant avant tout le monde, ou quasiment avant tout le monde, en juin 1940? Personne ne pense à se demander est-ce que c'est parce que son arrière-grand-père était franc-maçon, est-ce que parce que lui-même était préfet, ou parce qu'il aimait la peinture? Jamais on ne se pose ce type d'explication. On se dit Jean Moulin est devenu un héros parce que c'était Jean Moulin. C'était lui et pas un autre. Pourquoi ne se pose-t-on pas la même question de la même manière pour l'inverse, c'est-à-dire les figures que nous, on considère comme les figures du mal, tout simplement. Gérald Bronner. Oui, mais ça pose un autre point, hein, qui est un grand débat aussi dans les sciences sociales, c'est la question du relativisme. Parce qu'effectivement, un des procès qu'on pourrait
faire dans la reconstruction des raisons de l'autre, et là on voit bien que c'est, qu'on est sur une pente difficile, c'est de considérer dans le fond que les raisons de l'autre sont mais des raisons et réciproquement. C'est-à-dire que le héros d'une, de telle civilisation est en fait pour moi un terroriste et réciproquement. Et ça c'est quelque chose contre lequel je m'élève, ce relativisme, que je pense, mais là c'est évidemment c'est très audacieux intellectuellement, je pense qu'on peut établir une hiérarchie entre certaines valeurs. Je pense que certaines valeurs ont une charge universaliste plus importante que d'autres. Prenons un seul exemple. Je pense par exemple que l'idée selon laquelle les hommes et les femmes sont égaux est une idée qui a une charge universaliste démontrable beaucoup plus puissante que l'inverse. Et qu'à partir de là, par exemple, on ne voit pas pourquoi, comment on arrivera à justifier qu'une femme n'a pas le droit de conduire ou qu'elle doive avoir l'accord de son mari pour signer des chèques, ou etc. etc. Bon, voilà. Mais pour en arriver là, il faut admettre cela, ce qui est aussi très difficile dans les sciences sociales. Il y a une partie des sciences sociales qui est constructiviste et qui considère que toutes les valeurs sont des constructions sociales, ce qui est vrai, mais qui en tire la conclusion hyperbolique que du coup, elles se valent toutes, ce qui est faux. Alors, j'ai du mal m'exprimer parce que ma question n'était pas du tout celle-là. C'était pourquoi est-ce qu'on cherche des déterminismes à des comportements que nous aborons, à savoir les attentats qui ont pu avoir lieu le 13 novembre à Paris. Nous cherchons donc qu'est-ce qui peut causer ça, et on va le chercher éventuellement dans la culture, dans les explications sociales. Et jamais on ne se pose cette question-là pour des comportements qui sont tout aussi rares, mais qui cela suscite notre admiration, et c'est pour ça que je pensais à Jean Moulin. Pour Jean Moulin, ou pour Guy Moquet, on ne va pas se demander. Votre question demeure tout à fait bonne. Les terroristes, il me semble que c'est le résultat d'une histoire. Alors on peut la définir comme on veut. Et en revanche, pour les héros, si vous voulez, il y a parfois des gens qui viennent au bout de quelques années vers l'héroïsme. Et puis en même temps, j'y tiens beaucoup, il y a des êtres, me semble-t-il, on peut en retrouver dans l'histoire. Par exemple, Guy Moquet, qui laisse surgir en eux le pardon, qui était un terroriste pour les Allemands. Non, mais qui font surgir presque immédiatement l'incandescence d'une éthique. Quoi. C'est comme ça, la situation les révèle. Dans immédiatement à eux-mêmes. Et on pourrait dire aussi que c'est le produit d'une histoire, Guy Moquet ou Jean Moulin. Mais oui, mais les raisons de Guy Moquet nous sont immédiatement accessibles, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas besoin de faire un travail de reconstruction parce que nous sentons en phase avec ces valeurs. Voilà, c'est une chose. D'accord. Mais il est vrai par ailleurs que ces valeurs ont une charge universelle plus importante que l'idée, par exemple, selon laquelle telle ethnie serait supérieure en essence à telle autre et qu'il faudrait donc exterminer cette autre ethnie. Bon, voilà, c'est ça que je veux dire. J'ai compris. La question que vous posez est fondamentale parce qu'elle rappelle qu'en réalité, on fait bien de poser cette question parce que ça permet de comprendre qu'à la racine du mal comme à la racine du bien, il y a des actes de liberté. Mais la sociologie, moi je ne suis pas sociologue, donc à la limite je pourrais plus volontiers parler de ce qui relève de la liberté puisque c'est plutôt un thème philosophique. Mais à la racine de la sociologie, si vous voulez, il n'y a pas le souci de savoir ce que c'est que la liberté. Expliquer la liberté, si vous voulez, c'est contradictoire dans les termes. La liberté voulait dire le libre arbitre. Voilà, le libre arbitre. La liberté, c'est par définition ce qui échappe au déterminisme. Par conséquent, on ne peut pas attendre, et c'est ça qui est très équivoque dans le discours du Premier ministre, on ne peut pas attendre d'une science, quelle qu'elle soit, c'est vrai de la physique pour le coup, et de la sociologie, ou de la psychologie, qu'elle donne une explication, j'allais dire, clé en main d'un acte par principe singulier, qui en plus engage, puisqu'il s'agit d'actes extrêmes ici, qui engage, je dirais, ce qu'il y a de plus profond, d'insondable même, dans la liberté humaine. Mais là où, évidemment, il y a, et on a deux hommes de justice ici, c'est pas si difficile à comprendre que le déterminisme et la liberté, même s'ils s'opposent, sont quand même conciliables. Vous faites un procès. Quand vous faites un procès, vous avez à la fois cette idée que celui que l'on accuse est libre en dernière instance de ce qu'il a fait. Et néanmoins, l'avocat, que va-t-il faire, sinon plaider en fonction des déterminismes sociaux, culturels, familiaux ou individuels. Et le résultat du procès, je trouve que le procès du Premier ministre, il l'a mené un peu rapidement, le résultat du procès, c'est précisément d'essayer de trouver une sorte de compromis entre ce qui relève de la responsabilité de l'individu et ce qui relève de son histoire. Oui, mais encore une fois, la sociologie s'occupe de l'histoire des individus. Il y a, bien sûr, qu'un terroriste, quand il passe à l'acte, il a une histoire, et c'est un être humain, et il y a un parcours. Ça, évidemment, qu'on peut le tracer, et on peut l'expliquer. Mais il y a un phénomène qui s'appelle la haine. La haine qui vient justement de cet extérieur, qui raconte une histoire qui n'est pas forcément la religion à 100%, mais qui est quand même, quelque part, des cerveaux disponibles à cette haine qui consiste à
et on connaît tous l'histoire, combattre l'Occident, combattre les mécréants, combattre les juifs, etc. C'est du bon sens et c'est primaire. Et c'est tous les jours qu'on l'entend. Je veux dire, on peut donner une explication à des itinéraires qui, quelque part, pourquoi trois individus ayant vécu quelque part, certains ont une trajectoire absolument exemplaire, il n'y a pas de souci, ça devient la communauté nationale et des citoyens anonymes, et d'autres, à un moment donné, sont disponibles, quel que soit le mode opératoire, que ce soit Internet ou des rencontres ou des mosquées, mais quelque part sont disponibles à cette haine. Et ça s'appelle la haine. À un bout d'un moment, ça ne s'explique pas, la haine. Il n'y a pas de compréhension rationnelle à un individu qui, quelque part, à un moment donné, décide de tuer je ne sais combien de personnes sur une terrasse parce qu'il s'est mis dans la tête. Or, il est peut-être parti, comme vous le dites, de voyou à je ne sais quoi, mais n'empêche qu'il passe à l'acte avec la haine. Ouais. Donc voilà. Alors, justement, la haine, on peut prendre une comparaison. Oui, on peut prendre une comparaison. C'est pas pour l'excuser. C'est la liberté. C'est là pour comprendre. Ça revient finalement, à se poser la question de savoir pourquoi dans les régimes communistes, un certain nombre de tortionneurs ont massacré finalement des millions de gens. Il y a une dimension à rechercher effectivement dans la responsabilité de l'individu, et puis ensuite dans l'idéologie peut-être qui inspire l'individu. Mais au-delà de ça, le mélange qui se fait dans la conscience de chacun entre l'idéologie et le passage à l'acte, l'acte individuel de passage à l'acte est quelque chose de mystérieux. Et en plus, c'est quelque chose qui nous échappe complètement, c'est ce que disait monsieur, et je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il faut regarder l'idéologie sans méconnaître la responsabilité de l'individu. Mais on ne peut pas aller au-delà. Mais c'est la haine, pardon, Philippe Bilger, mais dans les procès d'assises, à des moments, vous avez eu affaire à des accusés qui avaient eu la haine, comme on dit. Dans ces cas-là, J'en ai pas vu, franchement, énormément avec de la haine pure. D'abord parce que la haine pure, paradoxalement, exige beaucoup d'intelligence. Et j'en ai pas vu beaucoup qui étaient infiniment brillants dans le box des assises. Mais je crois que la haine, c'est une explication peut-être un peu passe-partout, mais je me demandais, et c'est le seul léger reproche que je ferai à Manuel Valls, je me demande s'il ne devrait pas s'attacher pour comprendre ce phénomène au fait que ces êtres-là empruntent des circuits de dérivation. Je veux dire par là que si la France offrait un destin collectif à la hauteur de son histoire, peut-être qu'elle parviendrait à détourner certains jeunes gens de cette trajectoire tragique. Méfiez-vous, vous commencez à rentrer dans les explications qui peuvent être des explications. Je ne parlerai pas d'Hanouna, hein, je vous rassure. Je voulais revenir à votre générosité avec Manuel Valls, mais la question, ce n'est pas juste le lapsus ou vous avez dit un raccourci qu'il a fait, etc. C'est plutôt le rapport du pouvoir politique par rapport aux intellectuels, par rapport au débat public et comment il traite la question de la recherche. Je pense qu'il faut, aujourd'hui, c'est ça le débat. Et la sociologie, ce n'est pas juste ce tabou dont vous parliez comme une exception française, n'est pas du tout le cas, parce que partout dans tous les pays où il y a un peu le tournant autoritaire, on sait que les départements de sociologie sont fermés, ils sont pénalisés, etc. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la sociologie dérange? Peut-être on peut aussi poser la question comme ça. Donc, d'un côté, moi, je suis d'accord que c'est le débat par rapport à l'islam, c'est-à-dire que comment on peut avoir une politique plus musclée, plus sécuritaire, c'est ça qui définit aujourd'hui. Valls exprime son désir pour faire une politique plus d'ennemis, plus musclée. Il y a ça d'abord, dans son attaque aux sociologues. Mais deuxièmement, c'est le rapport des chercheurs et des intellectuels aujourd'hui dans les débats et dans la société, dans les sociétés modernes. On veut des experts et on ne veut pas des gens qui sont à la fois dans la recherche, à la fois dans la pensée critique. Et je pense que la sociologie, quand même, aujourd'hui, fait les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la recherche et il y a la résistance au fait qu'on ne veut pas juste des experts au service des politiques d'État. Et ça, c'est très important. La sociologie n'est pas juste l'expertise au service des politiques. Et la pensée critique est importante. Ce que l'on peut constater aussi, c'est qu'on a rarement vu un Premier ministre qui attache autant d'importance aux intellectuels. Depuis un an, Manuel Valls, à plusieurs reprises, est venu sur le terrain des intellectuels, ce que ne font que très rarement les politiques et jamais des hommes qui sont à la tête de l'État. Je propose tous les exemples depuis un an, depuis janvier. Donc il est déçu.